musée d'Orsay expose jusqu'au 18 janvier de l'année prochaine une sélection de tableaux et d'objets provenant de la collection Havemeyer. Moins connu en France que d'autres collectionneurs comme les familles Gould, Astor ou Vanderbilt, Henry et Louisine Havemeyer ont pourtant été des pionniers du goût américain pour l'impressionnisme, achetant à tour de bras, à partir de 1890 environ, et non sans discernement, auprès des marchands de tableaux, Vollard et Durand-Ruel. Henry Osborne Havemeyer était considéré comme le roi du sucre. Il épouse Marie Elder, divorce, se remarie avec la nièce de celle-ci, Louisine. Ensemble, ils sillonnent l'Europe, la France en particulier, visitent l'exposition universelle de 1889, celle de la Tour Eiffel, se lie avec Degas. Pour leur demeure new-yorkaise, ils achètent des tableaux de l'école espagnole, Greco Goya. À la mort de Henry, Louisine devient une ardente militante féministe, s'engageant fortement en faveur du droit de vote pour les femmes. La collection originale ne comptait pas moins de 1967 pièces, dont les plus importantes ont été léguées au Metropolitan Museum de New York. L'accrochage parisien privilégie Courbet, Manet, Monet, Cézanne et Degas. Un enchantement véritable, bien sûr.